unboxing, je rappelle, de chez Gutfeld. Donc on avait dit, hein, on fait juste une vidéo français-anglais en simultané, pardon. Hello everybody. The show must go on for the unboxing by Gutfeld. Excuse me, so I just finished my work and I have not the time to eat, and I drink my tea because after I must go shopping. So we open this painting. On va ouvrir. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un toutou, a dog. So, look at this. Donc, il fait 19 couleurs, 19 colors, and the drills, round drills. Yes, wrong drill. So, look. Voilà. Alors, on range celui-là. Bon. J'ai toujours les adhésifs là qui m'embêtent. Hein. Oh bon, je vous montre plus hein, le kit habituel. Hein. I don't show you. It's just a kit. After. I keep a bag to write on what is it because I have a lot of paintings at home and to remember me what is it. So, alors ensuite. Le deuxième, donc, wait for a minute. J'ai pris les ciseaux, je suis équipée, voilà, ce sera mieux. It will be better. Michael Jackson. Voilà. Just his face. It's very beautiful. So pretty. Colors. Alors, il y a 18 couleurs. 18 colors. It's round drills. So, look. Drills. Okay. Here. Alors, on range celui-là. Donc, on va écrire dessus. Michael Jackson. Ensuite, le troisième. Voilà.
there is another Michael Jackson. So the kit, and now it's my favorite. Another Michael Jackson. Where we can see him dancing. So I love his painting. So it remember me my youthness when I was young. It was a round drill too. So, and combien de couleurs? 20 couleurs, 20 colors. After. Alors, Michael Jackson. Hop, numéro 3. Le quatrième. Alors celui-là. There are paintings that I don't remember me. Yes. Two horses. But it's for a friend of mine. For a present, so very nice. 20 colors, donc 20 chevaux. Alors celui-là, c'est pour un cadeau pour une copine à moi qui aime beaucoup les chevaux. Voilà, donc je vais pas le dire trop fort parce que elle regarde mes vidéos, alors je dirai pas pour qui c'est. Voilà. Hein. Mais bon, je pense que elle va deviner. Voilà. I don't want to say the name for my friend because she looks my video. Alors. We write on horses, chevaux en français. Voilà. Donc celui-là, it's a little a baby dog. Look at with a lot of colors. Ça faisait longtemps que j'en voulais un comme ça. It was a long time that I wanted one painting like that. Alors, 11 couleurs, il y a 11 colors. It's it's square drills, but colors are very flashy, girly, and very beautiful colors. Yes, blue. There is a pink here. Look at. A very beautiful red, beautiful green. Green is not my favorite color, I don't like green. A beautiful yellow, okay. Donc, il y a super couleur, hein, super vert, du jaune, du bleu, du rouge. Donc voilà, bon, celui-là, il va se faire vite, hein, c'est. Je vais pas dire combien c'était, mais. Attendez, je vais chercher ma règle. Je vais vous dire. Donc, c'est un
25 sur un 25 sur 24 cm. 25 by 23. Voilà, donc on range celui-ci. Alors là, celui-là, je vais l'appeler chien coloré. All right. Colored dog. Oh no, it's impossible. As I spoke in English and French in same time, I wrote on my bag dog in French, chien, and colored in English. So, okay, but I understood. Then, another. So, my tea. Ah, it's a little. So. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, donc celui-là, je l'ai commandé parce qu'il m'a bien fait marrer. C'est vraiment un très très petit painting. Il fait combien? Je vais vous dire ça. Il fait donc 19. Il doit faire 20 sur 20, je pense. Hein. Ouais. 20 by 20. Ok. It's a puppy. A dog. I like it. 18 colors, donc il y a 18 couleurs. Round drills. Yes. Very pretty colors. Look at these colors. Yes, I love it. So, alors, on le range. Ah ben voilà, ça colle. Voilà, ça y est. Donc, on écrit chien. Mettre. Voilà, petit chien, little dog, poupée. Donc, il en reste deux, just two now. Plus que deux. Alors, celui-là. A horse. Alors celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. I love it, this painting. Donc, c'est un 30 par 40, 30 by 40, and it's round drill. There is a lot of blue and pink. Bon, il y a beaucoup de bleu, du rose, purple,
du violet, gray too, du gris, du bleu clair aussi. Je sais pas si vous allez voir, bah si là le rose vous voyez bien, hein. Pink, you see very well. But the others, I don't know. Alors pour les autres, hein, je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà. Ça fait donc 3 paintings de chevaux, 3 paintings with horses. I have my for my friend, but to for my daughter-in-law, she likes horses a lot. J'ai ma belle-fille, hein, notamment la petite amie de mon fils, qui aime bien les chevaux. Voilà, donc elle pourra en choisir un. Girlfriend of my son, she likes horses, so she could choose the painting that she wants. Et le dernier, the last. It was a big unboxing. Voilà, c'était vraiment un gros unboxing. Donc, et le deuxième, alors celui-là c'est un 30 par 40. Donc 30 by 40. It's a dog. A little dog. Ok. Il a. Ah, celui-là, il a 26 couleurs quand même. Hein. 26 colors. Donc, avec des diamants ronds. Round jewels. Donc là, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Ça va compétiser à mort. Voilà. Donc, look. A very beautiful color. It's a very, very flashy colors. It was the last. Donc, je le range. Voilà, c'était le petit dernier. Hop. Donc, on va marquer le chien coloré. 30 par 40. Voilà. So, that's the end for this unboxing. Alors ça y est, ben c'est la fin pour cet unboxing. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de kits. J'ai une vraie collection. Je vais vous montrer. Hein. I have a lot of kits. I have very, very lot of. I show you in my box. I have a box here, you can see, where there are all my kits. Look. So, I put them in it. Voilà. Donc, pour celles qui seraient intéressées par ces petites plaquettes vertes là, hein, moi je m'en sers pas. Donc, vous m'envoyez votre adresse en MP si vous voulez, en MP ou par mail. Hein,
et je vous les envoie gratuitement parce que j'en ai déjà fait cadeau à des écoles, j'en ai tout plein, donc ça peut servir, hein, voilà. Les stylets par contre, je les garde pour faire des stylets en pâte fimo, voilà. Donc voilà mon petit rangement. Alors je vous montre quand même, j'ai acheté une boîte pour mettre mes paintings de la dernière fois plus ceux d'hier. Vous voyez, ma boîte elle est pleine. Look at my my box. It was my last unboxing from Goodfell in a last video. You can see I have a lot of painting. J'en ai quand même pas mal, et j'ai une énorme boîte encore avec tout plein de painting dedans, hein. I have already an over box, big box with a lot of paintings in it. What I say, it's not partnership. These paintings, I caught them. Sometimes for my subscribers I can offer one or two paintings, but it's not paintings that I have got in partnerships. I caught myself these paintings, and it's a big pleasure for me. It's a great pleasure for me to offer at my subscribers these paintings. Voilà, donc je disais, hein, en anglais, que ces paintings, ce ne sont pas des paintings de partenariat. On ne les a pas offerts. C'est moi qui les achète. Voilà. Il faut dire qu'à la maison, on est quatre à faire du painting. Mais ceux que je ferai pas, eh bien, je les offrirai à mes abonnés. Voilà, parce que ça me fait super plaisir aussi de pouvoir offrir à des personnes ces paintings. Voilà. So I told that we are four at home to make paintings. I have two of my three sons who make painting, and my daughter-in-law, we have a lot of work, as you see. Donc je vous dis à la prochaine fois, pour une prochaine vidéo, j'espère. Et pour mes autres abonnés, écoutez, see you soon. And I tell you for the next time. Have a good weekend. Je vous souhaite un bon week-end et prenez soin de vous. Take care of you and I kiss you. Bye bye. Donc je vous embrasse tous. Je vous souhaite un très bon week-end. Et donc je vous dis à très bientôt, en espérant que cet unboxing vous aura plu. Ciao, ciao.